Salut à tous, alors comme promis, je reviens vers vous pour de plus amples informations concernant cet accident de Pierre Palmade. Et si les informations sont positives pour Pierre depuis le début de la journée, puisqu'on a appris que ses jours n'étaient pas plus en danger, en tout cas, les choses se compliquent sur le point judiciaire, puisque après l'accident dans lequel l'humoriste a été blessé, l'enquête porte désormais sur les faits d'homicide involontaire du fait de la mort du bébé que portait la femme enceinte. Et oui, on vient de l'apprendre dans le courant de l'après-midi. La femme enceinte qui était dans la voiture a donc perdu son bébé. C'est une terrible information qui a été communiquée ce samedi 11 février par le procureur de la République, Jean-Michel Bourle, comme le rapportent notamment nos confrères de BFM TV et du Parisien. L'enquête est désormais requalifiée en homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Il faudra véritablement voir les circonstances de l'accident, mais si, comme vous êtes beaucoup à le dire sur Internet, si jamais on va prendre le conditionnel, si jamais Pierre Palmade était sous substance illicite lors de cet accident, il risque de payer très très cher cet accident, et c'est tout à fait logique, star ou pas, il ne doit pas y avoir de différence.